Salut à tous, c'est Kaboz. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Dark Souls Arcthrones. J'ai donc respé, Bouboule pour aller tuer ce boss. Vous allez voir, il est difficile, vraiment. La phase 2, elle est horrible. Et la phase 1 aussi d'ailleurs. Et vous allez voir que c'est quand même énervé comme boss. Et avec la technique de la Bouboule, la technique cheatée, eh ben on va quand même, je pense, y arriver, parce que j'ai essayé un try avec la technique cheatée, je suis arrivé au bout de la phase 2 quasiment, il restait 10% de vie. Deuxième try, j'espère que ça va se passer aussi bien devant vos yeux ébahis, donc on y va. Je me suis dit, je vais enregistrer du coup. Alors, la technique de la bouboule, elle est très simple, vous restez de loin et vous lui balancez des bouboules. Voilà, ça va se passer comme ça le combat. Et alors, il y a un truc qui est très intéressant que j'ai remarqué, c'est que les sbires, il faut pas les tuer en fait. Parce qu'en phase 2, ils se retournent contre lui. Ça vous fait des alliés très intéressants. Aïe, ça commence très mal. Il va créer sa petite Amber. C'est là que c'est le plus dur, c'est qu'il faut réussir à descendre sa vie sans toucher à l'allié. On se mange la bouboule, hein. Rester à la bonne distance pour pas qu'il déclenche d'attaque. C'est une question de distance, là. Assez facile, hein, du coup, avec la bouboule, comme vous pouvez le voir. Et la phase 2, elle est méga énervée. Genre méga. Pense. Ah, il passe en phase 2, ça y est. Je vais consommer ça. Voilà, il est énervé. Attention. On lance des bouboules, hein. La technique, elle change pas. Ça va faire un sort de Elden Ring là. Où il balance des flammes. Il veut se rapprocher. Il n'arrête pas. C'est chaud, hein. On va lancer un max de bouboules là, il se bat contre mes potes. Attaquer une humanité, voilà. Je vais laisser un peu se battre là de dos. Attaquer peut-être ça. On est pas mal, hein, avec les petites bouboules, c'est bien cheaté. Hein. Comparé au travail que j'ai fait avant avec la grosse hache. Je le ramène vers les autres en fait. Qui le tape un peu, voilà. Sauver mana. Ah, y a plus d'aide. On va jouer maintenant. Oui, c'est la victoire, magnifique, cheaté, superbe. Ah là là, j'en ai chié quoi.
Voilà, respect chance, la spé chance qui marche très bien. Ha ha. Ah, je suis heureux. Je l'ai eu, ça y est. Ah, quel bonheur. Ah, la technique de... Voilà, il faut pas être honnête avec ces jeux. Faut... en plus, on peut respect comme on veut là dans ce jeu-là, donc y a pas, ça coûte rien de respect. Faut pas hésiter à respect. Et voilà, c'est la fin magnifique. Enfin, c'est la fin de ce niveau, je pense. Je ne sais pas trop, hein, comme je suis jamais arrivé jusque-là. On va voir ce qui se passe. Ah, je reviens là, au début, là, avant de tomber dans le trou, très bien. Alors, y a ces gars-là à buter, mais je vais pas forcément y aller. Hein. Je vais foncer dans mon escalier. Voilà. Eh bien, il nous reste un boss à se faire, quand même. On va essayer d'aller se le faire. Là, alors, là, je pense qu'ils n'ont pas fini, du coup, de faire ce niveau-là, parce qu'il n'y a que deux boss, il n'y a que deux feux de camp. Et si on veut être complet, il nous reste un boss qu'on avait laissé de côté, qui se situe dans le premier niveau, là, qui est là. Alors, j'ai 25 000 âmes, je peux sûrement prendre un petit level. On va aller à la boubou là, sur le prochain boss. Ah, je peux même pas prendre un level, c'est 26 000 quoi. 26 600. C'est dommage. Est-ce que j'ai des trucs à vendre peut-être? Ouais, je vais vendre ces armures là, de toute façon je les loot tout le temps ces armures. Oh, casque. You're well. Interested. Je vais prendre mon level. Hein. Welcome back. Very well taken. Je vais prendre un petit level en enduit, tiens. Hop. Let these souls withdrawn from their vessels. Alors là, on va laisser de se faire le monstre de feu. Alors il va falloir que je change de stuff parce qu'il est. Et du feu quoi. Et je vais le refaire à la bouboule. Hein. Bon, on va continuer la technique cheatée. Ce sera pour moi le dernier boss de cette session, donc ce serait, une fois qu'il sera mort, ce serait la fin de ce mode. Donc concernant, j'aurais fait tout ce qui est dispo. On va voir comment je les défonce maintenant. Le somme, ça sert un peu à rien. 332. Il y a l'autre qui va exploser là, il va falloir que je le bute. Mon épée. Alors, let's go. Bâton à deux mains, les gars. Pour profiter de la régène d'enduit dans le dos. Ah, j'ai plus de... Et c'est parti. On y va, la boubou, là. Ah non, c'est l'oubli qui faisait ça. Ah, j'ai pas le bon stuff par contre, j'ai pas de résiste feu là. De résiste froid. Ah, c'est pas très malin. Il fait mal quand même. Hein. Avec les bouboules, c'est vraiment hyper cheaté. Alors là, attention. Il y a des loots. J'étais jamais venu ici avec ce perso en fait. Ah, c'est pris le météore. Hein. Aïe. Il est où? Décédé. Voilà. Voilà le boss. Bon, j'ai l'impression qu'avec les bouboules, ça va quand même être beaucoup plus simple que ce que j'avais pu essayer avant. Donc on va retourner dessus, mais on va peut-être adapter le stuff quand même. Ah, résiste feu, tiens. Attends, on va voir, je suis à combien de charges? Je suis à 37.
J'aimerais bien cette armure. Ok, alors on va faire un petit tour de stuff. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le casque? On va laisser celui-là en résiste feu. C'est un peu meilleur. C'est le poids là, ça m'embête. Bon, je vais mettre ça. Je pense que je vais passer en fat roll. Toujours pas. Ouais, vas-y, on peut se tester ça. Est-ce que j'ai pas une meilleure résiste feu sur notre armure? Non? Bon bah écoute, on va partir sur ça. Ah! J'ai tombé. Il y a un raccourci là, mais il faut pas tomber dans le trou. Chose faite. Allons-y donc. Ah, c'est parti. On va jouer avec les bouboules. Ah, j'ai oublié de faire des potions, tiens. Ça aurait été utile. Commencer de cheater les bouboules quand même. Aïe. On va rester à distance, hein, sinon on se fait défoncer. C'est l'heure des météorites. C'est que je vais le buter ce boss là. Non, sois pas confiant. Boum. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a une phase 2? Ah bah je crois qu'il est mort, mais voilà. Nickel. Et voilà, on récupère un set d'armure là. Et puis c'est bon. Voilà, regardez les gars, bah, je crois que ce sera la fin. Ce sera la fin pour moi, la fin de mon let's play. J'aurais mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'il fallait que je respé pour le boss d'avant. Et là voilà que j'ai remis ma spé cheaté bouboule, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc ici j'ai clean ce donjon là. Tout a été tué, tout a été looté. J'ai clean tous les autres mondes sauf le monde de glace qui pour moi n'est pas fini du coup parce qu'il y a que deux feux de camp donc j'imagine que voilà c'est pas fini. On va tuer lui pour le plaisir. On a toujours un plaisir de les tuer ces géants. Voilà, donne-moi voilà, un peu de stuff. On va retourner au Nexus histoire 2. Et voilà les gars, ça y est, voilà, j'ai clean tous les mondes qui sont là-haut, on a fait tout le nécessaire. Bah écoute, on va refaire un petit tour avant de conclure
pour voir tous les mondes qu'on a parcourus. Donc la mine ici, le truc de sang, de sable, on a bien tout nettoyé, le dernier boss qui était dans le temple, on a fait la mine avec son boss et on a fait le sable avec le verre des sables à tuer. Cathedral of the Deep, il n'y a que deux feux de camp, mais par contre il y a vraiment beaucoup de boss, il y en avait quatre, ça c'est fait également. Ici, bah, c'est le monde de départ hein, qu'on a clean totalement. C'était très bien d'ailleurs, je trouvais. Le monde de glace, donc avec ces trois boss. Deux. Il y avait ce boss là, il y en avait que deux en fait. Très difficile pour le coup. Et ici, là d'où on vient, tout a été nettoyé. Alors peut-être je peux retourner voir le PNJ quand même dans la cathédrale pour dire que voilà, j'ai tué tout le monde. Peut-être, on sait pas, ça va faire quelque chose. On va aller voir avant de conclure cette petite vidéo de conclusion hein, qui était. C'était courte, mais franchement, j'ai eu du mal à y arriver à la fin. J'ai quand même farmé pas mal d'âmes à un moment donné. Je voulais absolument le tuer à la hache, là, le boss, alors que ouais, c'était pas nécessaire. On a bien vu qu'avec les petites boules, c'était tranquille. Ah, eager emissaire. Many upstart chasing. Ouais, il me dit la même chose. Hein. On va lui acheter la fin de son stuff. Je peux même pas acheter le pantalon, j'ai pas assez. Bref, et bah écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu de découvrir ce mode qui est vraiment un jeu à part, hein, qui est vraiment très très cool. Je vous dis à plus et n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit pouce, vous savez comment ça marche. Ciao, bye.